Le plus important quand on part en voyage à vélo, c'est effectivement d'emporter à la fois de la nourriture, pouvoir passer, pouvoir s'alimenter au cours de la journée, et veiller surtout à bien s'hydrater, en particulier lorsque les étés sont chauds. Ça, c'est pas le réchaud, mais c'est le... Il y a des assiettes, des verres, des matelas gonflables, gonflés avec, je crois, une pompe. Non, on les gonfle avec notre bouche. On va pas emporter une pompe de 6 kilos. Pour dormir, il faut prendre une lampe-torche. Pour aller aux toilettes la nuit, par exemple. Ça, enfin, lave-vaisselle. Tu peux laver ton linge avec. Tu peux ramener de l'eau à la rivière. Par exemple, là, tu vas à la rivière, tu prends ton eau, tu vas pas la prendre avec tes mains et ramener 3 centigrammes chez toi alors que t'as ça. C'est toi qui as fait la vaisselle, Maë? Non. Non? C'est toi qui as fait la vaisselle? Non. Bon, bah. Mais nous, on était occupés à faire une cabane. Aussi, il faut prendre des casques pour les chutes. Tu peux tomber, tu peux te faire très très mal. Et des gants. Axel, tu peux enlever ton chapeau maintenant. Ah bon?